Bonjour. C'est quoi ce truc? Heard about it a few years ago, so I had looked at the website and always kept it in the back of my mind. But that looks like a good place to go. On parle beaucoup de Trois-Algermes, ouais, vraiment. Maintenant, c'est censé être un incontournable de la fantasy, vraiment du festival de la fantasy. Donc ouais, on me dit tout le temps, il faut y être, quoi. Faut y être, c'est super important, et puis c'est la fête. Various different kinds of things that people look for. They want to just be with other fans, explore all the variations on fantasy with games, books, video, live music, graphic novels. You know, I think it's wonderful to have all that in one place. That's not usually the case. An artist is very much a solitary profession where you do not have interplay with the people that look at your work, particularly an illustrator who does, they print many, many, many copies of your work, and like The Hobbit is produced all over the world, and this is a wonderful opportunity to meet the people who in fact, you know, enjoy my work. Merci. Tu peux pas imaginer à quel point ça nourrit d'avoir des gens qui viennent te voir et qui te disent qu'ils ont aimé ce que tu lis, parce que l'auteur, c'est d'abord une solitude. Tu travailles beaucoup tout seul. Et quand quelqu'un vient te voir et te dit « j'ai pris le temps de le lire, j'ai aimé ce que tu as écrit », c'est super nourrissant. Quand on sort d'un week-end comme ça, on est gonflé à bloc, quoi. Troisième salon, et j'ai les chocottes. On voit qu'il y a des gens qui nous soutiennent, c'est l'occasion de les rencontrer, de mettre des noms sur des personnes qu'on ne voit que sur Facebook ou qui nous envoient des petits mails, donc ça fait toujours plaisir de voir les gens en vrai. Trolls et Légendes, c'est l'un des festivals les plus festifs que je connaisse. Ça attire un public qui vient, qui est déguisé, qui rigole, qui amène ses enfants transformés en trolls, qu'est-ce qu'on se marre, quoi. Et puis il y a la cuvée des trolls, qui est une très bonne bière. Université du Fantastique, bonjour. La fantaisie en ce moment marche très très bien. Quand on lit un livre, bah, on est ailleurs, quoi. On est dans un autre monde, dans une autre conception du monde. Il y a une humanité qu'on aimerait un petit peu bousculer. Et je crois que les littératures de l'imaginaire le font très bien. Quand on va vers une littérature de l'imaginaire, c'est qu'on a décidé aussi de ne pas tout à fait dire qu'on acceptait les lois du monde et qu'on a envie de découvrir d'autres choses et d'être éveillé, en fait. C'est un réveil. John. Ça, tu décides au moment où tu retournes ta carte, pas maintenant. À l'espace jeu, on trouve toutes les formes de jeux, des plus classiques, c'est-à-dire les jeux traditionnels comme les échecs, le go, voilà, qui sont un petit peu représentés. Mais on trouve surtout des formes de loisirs un peu plus actuelles comme le jeu de rôle, du wargame avec figurines et des jeux de cartes et des jeux de plateau assez modernes. Et donc, notre ami Paladin, que fait-il puisque c'est à toi? Le jeu de rôle, c'est une niche écologique, hein, dans l'univers du jeu à l'heure actuelle. Ça plaît à beaucoup de monde parce que bah, ça permet de s'évader, ça permet de rigoler. Voilà quoi, le jeu de rôle est aussi une excuse pour avoir des amis, pour les voir et puis pour faire quelque chose avec eux, quoi. Recently, new games are being created, and I think that role-playing games are becoming popular again, which is very, very exciting for the hobby.
avec l'eau. Ce n'est pas du matu-vu. Je ressens très peu d'orgueil ici. C'est très agréable comme ambiance, c'est bon enfant. Il y a de tous les âges, comme vous pouvez le voir. Je suis Bala, le cousin de Gimli. Je suis simplement un guerrier barbare. Je suis un viking. Je viens de trahir la horde, je me suis mise en elfe aujourd'hui. Salut, fils et garçon, ou entre autres, je suis le capitaine Jack. Je m'appelle Petit Fleur. Je suis un orque. Je me balade ici, je viens découvrir d'autres personnages. Entre les légendes, il y a beaucoup de gens qui viennent avec des gros guerriers, des gros nécromanciens, des trucs noirs. Je suis arrivé avec Obélix. C'est une bande de fous. Et on a le droit d'être complètement fou, on a le droit d'être complètement idiot, on a le droit d'être complètement délirant, on a le droit de ne rien retenir, et non pas d'être soi-même, mais d'être tout ce qu'on a envie d'être finalement. Donc c'est du gros rêve. Je pense que quand tu es plus jeune, tu dois peut-être plus avoir de facilité sur la structure classique de la fantasy. Sur un parcours initiatique, sur un parcours avec un mentor. En revanche, quand tu es plus vieux, peut-être que tu attends une autre fantasy dans la mesure où tu en as lu plus. Tu attends aussi des fantaisies différentes, peut-être. J.R.R. Tolkien, for the longest time, always put down as children's books, you know, or it's but really, there's no real reason to. A good story is a good story. There are children who are with gray hair, you know. When I was younger, all I wanted to do was kill the monster and get the treasure. That was the fun thing about role-play games. But as I get older, I want to explore the world. I want to go on a quest. You know, I need a goal. Some of these instruments, like this is a reproduction of the ancient Greek lyre. It used to be played a lot in Athens and other cities in Greece. So it's like, it was like today we have the classical guitar. So this for Greece was the very common instrument. And don't forget the Greek mythology, which inspires a lot of a lot of our songs. Even if they haven't got any lyrics at all, the theme is connected to a myth or a story from ancient Greece. Yes. I think it makes them dream, it takes them to another world.